mer. On est tous à côté de nos pompes et elles avancent plus vite que nous. Quel calvaire entre ceux qui s'allongent et ceux qui veulent péter les genoux. Ceux qui croient, ceux qui cessent d'y croire. Et les sans voix ni voix, toi et moi, nageant dans le brouillard, vivant nos vies de chat. Les pingouins représentent les forces destructrices dans ce monde qui est le nôtre. Ces forces ne correspondent pas à une idée précise, clairement identifiable, mais se nourrissent de notions telles que celles de capitalisme triomphant, d'ultralibéralisme sauvage, de darwinisme social, de pensée unique, d'hommes se définissant comme un loup pour l'homme, de propagande vue comme un moyen de contrôler les esprits, de religion manipulatrice et asociale, au sens étymologique du terme. Et j'en passe. Les pingouins représentent les aspects les plus négatifs de la vie moderne, non parce qu'ils sont négatifs en soi, mais bien parce qu'ils s'attaquent à l'humanité des individus et à la dignité de l'espèce humaine. Et les pingouins vous disent bonjour. Bonjour. Il y a des pingouins partout. Il y a des pingouins partout. Entre ceux qui s'allongent et ceux qui veulent péter les genoux.